à la presse adresser la monde qui était présent et dans espace ça je nous connais là dans espace Sonapia vendredi 15 mai 2021 dans quatre visites ou bien inspection président de la République là l'a fait pour garder comment matériel ça est arrivé dans le pays là matériel qui commence à arriver dans le pays là depuis jeudi qui était 7 mai 2021. On l'autre fois encore maintenant industriel Sonapi. On profite féliciter nouveau DG parce que effort moi qui fait pour travail aménagement building ça immeuble ça là que nous voyons là en Paris pour recevoir matériel que nous commandé qui sorti dans pays la Chine pour entrer dans pays d'Haïti. On félicite les avec tout staff là. Ingénieur, tout l'autre ouvrier, l'autre technicien qui vient dans le parc là, staff sécurité, qui travaille jour et nuit, chef de stock là. Tout le monde, dans le niveau paille, opérateur forklift, chauffeur camion, manutentionneur, tout le monde qui te coopéré pour une grosse opération ça a fait. Qui peut qu'on finit parce que l'opération a commencé le 7 mai, c'est là sa première avion d'atterri. Je vous dis le 15 mai. Et je me promets, nous, les Haïtiens, dans le discours du 1er janvier, 1er mai, je m'excuse, je me dis que le 15, du 1er au 15 mai, tout équipement et matériel qui était commandé pour 18 669 000 $ américains, équivalent 2 milliards de gouttes, je te dis nous que bien entendu. Je dis à 15, il y a 5 avions qui viennent d'entrer dans le pays. Et je profite de l'occasion pour me porter un éclaircissement sur l'information que je me débat. Nous, je te dis nous que l'avion, chaque équivalent 5 containers, ça veut dire, avion. Il y a une capacité pour déporter jusqu'à 108 tonnes. Et nous connaissons un conteneur qui a porté 21 tonnes. Même si nous avons le gros lié. Mais pour l'avion, ça y est, parce que nous ne pouvons pas faire différence entre volume et poids. Moi, je crois que l'avion qui vient là, c'est 20 trailers qui débarquent. Il y a l'autre avion, c'est 17 trailers. Il y a un, c'est 18 trailers. Ça veut dire pour 5 voyages, ça y est, nous recevons plus passé 70 trailers. Qui est entré là. Et tout équipement avec matériel médical, ils ont là servi le peuple. Je profite de l'occasion pour me féliciter et remercier le ministre de la Santé publique là, avec tout le staff, là, tout l'autre spécialiste, technicien qui accompagne le ministre. Là, dans le travail qui fait là pour permettre matériel et équipement d'arriver dans le pays. Je remercie et félicite la commission multisectorielle là, parce que je connais lui-même avec cellules scientifiques là, il y a des recommandations qui étaient faites pour l'oxygène et c'est pour ça qu'il y a l'autre avion qui a pris encore. Par exemple, je dis en vendredi 15, il y a un avion qui a pris en Haïti dimanche 17. Qui venir avec des générateurs d'oxygène, ça veut dire une série de petites usines qui font oxygène. Qui venir avec 5 générateurs d'oxygène. Et pour l'autre avion qui venir le 23 mai, samedi prochain, avec bouteilles d'oxygène, ça veut dire nous pratiquement, pour moi, mais rentrer maximum. Près de presque plus de 90% de ça qui nous commandé. Et bon, l'autre petite quantité, moins de 10% qui vient pour entrer dans le bateau parce que qui a des problèmes d'inspection. Parce que je nous connais aujourd'hui, en Chine, bagaille, ils ont inspecté aussi toutes les marchandises qui sont de bonne qualité. Ça veut dire, l'inspection est stricte quand il y a l'inspection qui a fait en Chine. Gouvernement, tout le monde qui est décollé, ça
central, ministre finance, on songe que on a bon fond. Quand la pas fond bagage ça. Les gens qui se passent des nuits sans sommeil. Vous devez permettre l'argent transféré sur Tiana pour aller. Il n'y a pas ici, c'est moi qui vous dis. Il n'y a pas si il y a des gens qui sont obligés de déplacer. Vous n'avez pas de rapport à l'avion. Et vous avez des gens qui sont obligés de déplacer. Parce que nous, c'est l'État. Nous avons pris condition pour ça, pour nous assurer nous que l'équipement matériel médical ça, qui est commandé, pour nous être sûrs qu'il y a une joie. Je dis à profite de saluer le staff médical là. Tout personnel soit et de médecins, infirmières, auxiliaires, techniciens, spécialistes, qui commençaient à mon qui frappait de pandémie. Hein. Nous connaissons aujourd'hui, hein, pendant que je parle là, il y a plus de 250 personnes qui ont été infectées de virus là, en Haïti. Et nous avons plus passé, en disant qu'il y a 20 personnes qui ont perdu la vie. Il y a un passé spécial pour la famille Mounzaï. Mais je profite de l'occasion tout pour me dire, peuple, ça qui est plus important pour moi dans la nouvelle ça, c'est que nous avons une vingtaine de monde qui périt. Et c'est pour ça que nous disons, nous entendons plus de gros nouvelles. Scientifiques qui ont parlé, nous tendons. Et c'est pour ça que nous-mêmes, comme chef d'État, je dis à nous, je ne vois pas nous. Mais je dis nous, rêve-moi comme président, je dis. Hein. Rêve pas. C'est pour me compter guéri. Rêve comme c'est pour me compter monde qui est malade, qui guérit. Mais rêve, moi, c'est pas pour me compter cadavre. Et c'est pour ça que je dis, hein, dans tête l'État, l'équipe là nous fait tout effort ça. Nous gourmets pour nous mettre matériel et équipement de protection pour le personnel soignant. Moun ça aujourd'hui, je voulais parler de personnel soignant, de médecins, infirmières, auxiliaires. C'est eux qui nous considèrent comme des héros de la guerre contre la pandémie de COVID-19. Nous considérons comme des soldats de première ligne. C'est eux-mêmes qui parlent devant. Chapeau pour nous, médecins, infirmières, auxiliaires, tout l'autre monde. Je vais parler des ambulanciers, chauffeurs, tout le monde. Tout le monde qui n'a activité ça côté malade qui atteint de COVID-19, il ne parle pas de soin. Et c'est pour ça, considération que l'État haïtien a gagné pour le travail que nous avons fait. C'est pour ça, commande, équipement et matériel, ça nous a. C'est pour ça que vous faites pour protéger nous. Pour pendant notre bail la vie, pendant notre soirée malade, nous-mêmes pour nous protéger la vie par nous. Je demande au ministère de la Santé publique à la population pour gagner une gestion rigoureuse qui fait de chaque grain équipement et matériel médical ça, qui commande avec l'argent PAO, l'argent peuple. Moi, je demande pour que le ministre de la Santé publique, là, avec tout le staff, ait des yeux ouverts tout le temps pour nous assurer nous, que l'équipement matériel médical Zayo est là pour servir tout le monde, le peuple. Et je ne veux pas servir le peuple, c'est là de protéger le personnel soignant. Il y a une petite occasion pour me dire, équipement et matériel médical, ça y est, il faut aller au-delà de la pandémie. Parce que l'hôpital, respirateur artificiel, ça y est, ventilateur.
nous avons certaines. Nous avons 1500 abonnés à l'hôpital. On parle d'oxygène. Son seul côté en Haïti, bouteille d'oxygène de qu'on plein longtemps. C'est pas tout près. Je veux dire, nous avons 9 mini-usines qui vont être là, qui vont l'installer à travers tout le pays. Pour l'un, un département, ou bien une ville, province, dans le pays, il y a des problèmes d'oxygène. Ils n'ont pas obligé de courir une porte au coin, une pleine bouteille d'oxygène encore. Il n'y a pas plein dans le département même. Ça veut dire, le département sud a gagné facilité pâle. Le département nord a gagné pâle. Grandance a gagné. Sud-est a gagné. Tout département dans le pays a gagné facilité par eux. Nord-est, nord-ouest, Atibonite, centre, pour être capable de remplir propre bouteille d'oxygène. Il y a 2500 bouteilles d'oxygène qui sont pour entrer dans le pays. Il y a 2500 régulateurs d'oxygène qui sont pour entrer. Mais ça, c'est pas pour maladie COVID-19 là seulement. Il y a pour aller au-delà de maladie. Il y a pour être pour forcer le système sanitaire. Même j'ai avec analyseur biochimique qui a acheté bien 10. Il y a même tout. Abrété pour faire des tests à travers le département. Il y a là. Moi, à fini, pour me dire nous, même j'en ai moi-même une bonne décision. Je ne sais pas si je suis dans ce film là. Nous, c'est bien facile. Il n'est pas difficile. Ça veut dire, en fait, mettez masque là, je ne suis pas habitué avec tout. L'homme fait comment se mettre des masques, dès qu'on a réfléchi pour me dire comment on va le faire inepte avec lui. Je dis à me faire journée avec masque. Ça va déranger. Et pas oublier, masque tout, il n'a pas coupé 5 gobes. L'État haïtien commandait 18 millions de masques. 14 millions de mains. Gros entreprise, ça veut dire gros usine. 4 millions en main, l'autre monde artisan qui peut dire. Et d'après l'information que le ministre commerce là-bas, dans le conseil des ministres qui sont mercredi à là, il dit que Massayo, nous avons un délai jusqu'au 13 juin pour nous recevoir toutes. Et nous avons instruction passée. Dans le conseil des ministres, pour qu'il y ait une distribution de masques qui fait environ 3 à 4 millions de masques par semaine. Semaine ça, moi connais un pile mouvement qui a fait pour qu'un masque qui sorti. Mais m'a demandé, mon gars, recevoir un masque tant pour lui. Recevoir, utiliser. Masque là, pas un bibelot, les pas un objet pour nous qui mettre dans la caille, c'est pour nous utiliser. Mettez-le. Protégez tête pas pour protéger les gens qui sont autour. Même si nous avons des gens qui sont là, tout le monde qui est à côté de nous, il y a un masque pas. Ça veut dire, il y a protégé pendant que je protège. Ou même tout. Protégez tête pas. Pendant que les gens qui sont autour, protégez. Mettez masque. Masque là est important en pile. Et je me dis, nous écoutons l'État, on paquet l'argent. Masque coûte l'État plus passer 900 millions de gouttes. 18 millions de masques là. Et je profite de remercier l'entreprise qui dans le secteur textile qui a fait l'État cadeau 1 million de masques. Ça veut dire, à part de 18 millions d'achetés, l'État t'a recevoir 1 million en cadeau. Ça, c'est un principe. L'autre monde qui a fait masse. L'autre monde qui a petit doigt. Nous avons une capacité presque 20 millions de masse dans le pays. Reste la peuple, frère M. c'est dans nous qui est lié. Aidez l'État pour l'État aider nous.
mettez masse nous depuis d'après la rue. Lavez-nous. Nou. Pas sortir si nous pas besoin. Mais qu'on est bagaille dit bagaille grave. C'est pour ça depuis première fois depuis 19 mars moi pas jamais mettre obligation que moun pa rien droit prendre la rue. On pas jamais faire parce que me connais Jean Barraille dans pays la difficile. Mais pendant la prendre la rue, protéger tête nous. Mettez masse nous pour nous pas prendre pour nous pas bailler. Et j'aime te dire nous rêve pas c'est pas pour me compter cadavre. Rêve femme, c'est pour me compter guéri. Et pour me compter guéri, je ne vais pas compter le sang. Je ne vais pas compter le sang. Et il ne faut pas nous-mêmes, peuple haïtien. Quand deux conseils de match là, c'est important en pile. Je finis pour me dire, moun me connaît qui vivent dans une zone qui est plus vulnérable. Moi, je connais une pile parole qui parlait sous affaire transfert corps. Je connais transfert cash là. Mais je dis nous, décision qui prend en conseil des ministres, l'éclair nous demandait, ministre affaires sociales là, pour démêler qu'on mette Jean-Jacques, pour que au moins chaque semaine, il y ait 75 000 transferts qui fait par semaine. Bagala pas facile parce que pas oublier. Pas de habitude ça pour cop de transférer directement à joindre moun yo. C'est tout un processus, machine nan lou en pile. Mais c'est ça nous mandé, on croit ministre de prendre note, premier ministre de travail, dans niveau palais, nous gagne délivrer unité dans quatre travail. Toute autorité mettre à pied d'œuvre, on connaît gagne quatre cap préparé entre CNSA et CNIGS qui pour permettre pour nous que toute zone de pauvreté dans le pays n'a pas goûté pour que distribution faite pour que ou même cap vivre loin 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 qui a un problème qui rêve ta joindre 3000 gouttes ça sous compte on connaît ses rêves pour mais n'a travaille pour que promesse là qui pas en promesse encore parce que transfert comment c'est fait pour continuer fait pour quel que soit côté là pour qu'il y ait un transfert pour là. Merci en plus. C'est le président de la République là qui a porté des précisions par rapport à la visite ça que le ville fait dans le pays et dans l'espace de la PIA, côté il devait regarder comment le matériel est proposé. Et par la même occasion, il était profité pour donner des détails et par rapport et quant à matériel ça qui commandé. Et il était précisé que en plus de 5 voyages et avions déjà venus, pour avoir d'autres avions qui rentrent dans le pays d'Haïti, particulièrement des avions capoter des équipements et il était précisé que c'est ça les générateurs d'oxygène, c'est-à-dire des équipements qui pourraient permettre de faire et produire oxygène dans le pays. L'on connaît que il y a un problème, il y a une difficulté qui gagne avec maladie que le COVID-19 là, c'est parce que il y a un problème de respiration, il y a toujours une grosse difficulté là au prend maladie ça pour respirer, il est compliqué respiration mounio. Donc c'est une raison qui fait le gouvernement lui-même lui commander des matériels qui a aidé yo produit et yo produit beaucoup plus d'oxygène pour capable prendre soin mounio qui pral infecté ou bien qui déjà infecté avec le virus sacré le COVID-19 là. Donc et président lui-même lui a annoncé que en plus de avion yo gain des matériels tout qui a rentré par bateau et c'est d'ici avant finissement mois mai. Et l'ITERA poursuivre pour demander pour encore une fois renouveler avec population pour demander population pour continuer par jamais suspendre un moment, continuer respecter consigne, rester la caille nous. Si au canap prend la rue, faut nous mettre un masque pour bariner nous avec bouche nous. Et même si nous prend la rue, ça pas jamais empêcher que nous continuer à laver mais nous chaque moment, chaque bagaille nous finement, il faut nous laver mais nous. Donc c'est plus qu'on nécessité. Et même si nous mettons masque, même si nous laver mais nous, toujours qu'un peu distanciation sociale là ou bien distanciation physique là, ça veut dire toujours bail
n'importe mon wap pa lavel toujours bay moun sa yo 3 à 4 pas distance nan pendant que n'a mande moun yo pour continuer suspend mete men yo nan jè yo suspend mete men yo nan bouche yo suspend mete men yo nan nen yo parce que d'après scientifique yo c'est 3 espaces c'est 3 côtés maladie a toujours profiter pour li passer pour rentrer dans corps moun yo pour infecter moun yo et je nous dis là depuis 11 mai qui se passe là li tourner obligation pour moun yo marcher à chaque fois y a prend la rue et Jean Bonnel là jeudi vendredi a te gagnon 5e cargaison pour 5e fois avion té un avion cargo té rentré dans pays a yo té vinn pour té matériel et président république là lui-même li annoncé que même si c'est en 5e fois pour aller l'autre fois encore et dans l'autre fois il a annoncé c'est des équipements beaucoup plus et physique qui pour venir c'est des équipements de li précisé équipement ça c'est des de façon aller à pour jouer nous on connaît que COVID pour la vie on a problème santé et éviter embrasser l'autre, éviter beau et qu'un b 3 à 4 mètres distance en l'air, nous trouvons nous dans situation à parler avec le monde. Éviter rester dans la foule côté qui vient plus passer 3 à 4 monde qui présent et pendant que ça va nous donner tout. Si bon réponse pour l'autre, nous bouchons. Jamais hésiter un moment tout toujours bas distanciation sociale à 3 à 4 minutes parce que moment pas gagné la mais la toujours éviter mais nous dans bouche nous tout ça c'est conseil